Coucou la fille, bienvenue sur ma chaîne. Tu vois comment de jour en jour on devient de plus en plus nombreux. Je suis vraiment contente. Je dis merci à mes nouveaux abonnés et surtout pour celles qui hésitent encore de s'abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas de vous abonner car j'ai tellement de bonnes choses à partager avec vous, tellement de recettes à partager avec vous, tellement de. Surtout pour celles qui sont en surpoids, en obésité et tout. Donc n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma soupe de chou. Je sais, vous connaissez déjà la soupe de chou. Quand vous allez sur internet, vous trouvez toutes les qualités. Mais le but de ma chaîne, c'est de vous montrer, c'est de partager avec vous tout ce que j'ai fait pour perdre autant de kilos. Et avant de vous montrer comment j'ai fait ma soupe de chou, je vais vous montrer cette tisane. Cette tisane m'a beaucoup aidé. Je vais un peu zoomer. Cette tisane, comme vous voyez, elle est comme ça. Elle m'a beaucoup aidé à. Cette tisane m'a beaucoup aidé vraiment à perdre. Attendez d'abord, je vais vous montrer comment la tisane se présente. Elle se présente comme ça. Elle est nouveau comme ça. C'est comme le thé. Elle est comme le thé. Vous chauffez votre eau. Bien. Dès que votre eau est bien chaud, vous mettez votre tisane, vous fermez le bol. Vous attendez peut-être. Vous ouvrez après 3 à 5 minutes. Vous attendez, c'est dans l'eau chaude, 3 à 5 minutes après vous buvez votre tisane. Vraiment, cette tisane aide beaucoup. Surtout, vous savez, quand vous faites un régime et vous êtes constamment constipé, ce n'est pas bien, vous ne pouvez pas perdre du poids. Parce que quand vous êtes constipé, ça vous empêche de perdre du poids. Ça veut dire quoi? Vous n'arrivez pas à évacuer tout ce que vous avez mangé. Alors, ce qui fait que ça. Ça vous empêche de perdre du poids, ça vous rend le ventre débat. Vous êtes toujours ballonné de temps en temps, vous êtes toujours constipé, ce n'est pas bien. Car quand vous êtes constipé, ça veut dire que votre métabolisme, ça ralentit votre métabolisme. Et quand vous ralentissez votre métabolisme, ça vous empêche de perdre du poids. Vous faites tous les régimes possibles, vous n'arrivez pas à perdre du poids. C'est pour ça que moi, j'ai eu recours à cette tisane. Vraiment, pour celles qui veulent perdre du poids, qui veulent vraiment un résultat vraiment. Rapide, je vous conseille de prendre cette tisane. Elle est vraiment magnifique. C'est pas une tisane, c'est une bonne tisane. C'est comme le thé, mais elle aide beaucoup. Surtout pour moi, ça m'a aidé quand j'ai commencé mon régime. Au départ, j'étais un peu lent, mais quand j'ai commencé à prendre cette tisane, je prenais avant de manger et le soir au coucher. Donc, je prenais 2 tisanes par jour, matin avant de manger, le lendemain de midi et le soir au coucher. Comme ça m'aidait à évacuer. Aller au sel, à faire des pipis, donc ça m'aide vraiment, ça aide vraiment, c'est une tisane purative, donc je sais pas, ça c'est du tout, ça vous aide vraiment à bien purifier votre corps, ça vous aide à aller au sel, ça vous aide vraiment, donc pour celles qui veulent faire un régime, je vous conseille vraiment cette tisane, elle est dans tous les supermarchés, dans tous les grands supermarchés, ce n'est pas forcément la marque ici, mais quand c'est tisane, si c'est à la tisane, c'est bon. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons passer. Je vais vous montrer comment j'ai fait ma recette de soupe de chou. Et ça m'a permis de perdre 3 kilos en 3 jours. C'est vrai que si tu fais même 5 jours, tu perds 5 kilos. Donc, cette recette par jour, tu perds 1 kilo automatiquement. Accompagné de cette tisane, ça vous aide vraiment, les filles. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais vous répondre. Je vous ferai des réponses, même en vidéo. Donc, merci de regarder ma vidéo. Ciao, ciao. Je vous montre comment je fais ma soupe de chou. Pour faire ma soupe, nous avons besoin de chou, carottes, oignons, ail, poivre blanc. Et pour l'assaisonner, moi j'utilise le cube végétal. Pour celles qui ne connaissent pas le cube végétal, je vous conseille d'aller dans le supermarché. Vous le trouverez là-bas. Merci encore de regarder ma vidéo.